Et nous avons dit tout le monde, notre activité a à peine commencé. Parce que nous ne pouvons pas être artistes là qui prennent même fait activité là pour avoir des prestations, mesdames, messieurs. Mais nous avons fait un bagage qui est vraiment symbolique parce que nous allons nous mettre ensemble pour lever en l'air, pour vous signaler vos lives là, en mémoire de nous, mesdames, messieurs. Et juste avant, nous remercions nous notre bagage qui se fait là, c'est du jamais vu. En bas la pluie, tout le monde campé, pas de monde qui allait, nous était là. C'est-à-dire que nous voulons le signal de nous aller pour montrer mes cabines qui sont représentées dans la musique haïtienne. Et nous avons salué Sipi Connexion qui lui-même nous service à cœur là, qui est vraiment sérieux. Et puis nous avons remercié Dynomix sans lui-même, activité ça va être possible. Parce que c'est lui-même qui mettait seul disponible pour activité ça. Et si nous commençons par remercier les gens, nous ne pouvons pas finir. Mais remerciement, il y a les directement avec chaque monde qui campait là, qui eux-mêmes, ils ont présence, parce que c'est nous-mêmes même qui concocté belle bagaille, nous avons fait à ce là. Et lui-même, parce que nous avons vu tout à l'heure, et lui-même, et nous prenons un geste qui est vraiment symbolique pour ce là. Et c'est signal ça, même mon gonna arrive de pas le voir aller. Mesdames, vous êtes belles, mesdames, vous êtes senti bon, mesdames, vous êtes vraiment belles. Et même l'intérieur de la pluie, tout le monde est belle. Monsieur, vous êtes vraiment senti bon tout, mais vous êtes bon. Je salue tout le monde qui est là, Tegou Nilsson, Marcel, Maman Game qui est là. Et je salue Organ Plumonor, je salue tout le monde, c'est Sipi qui est là. Rodu Midieu juste à Platou, donc son player d'artiste qui est là. Et nous avons salué Demar Junior, El Senior El Presidente. Nous avons salué El Manito Sabroso. Paquet Moun et Sérieux qui là, je dis. Et Baleine qui vraiment plumé là. En pile, nous avons plumé Baleine là. Et ce signal ça est vraiment belle. Et c'est tout photographe, tout média pour prendre l'image ça pour le poster sur les réseaux. Tout le monde qui est Baleine. Et si nous sommes sur le côté, passez dans la foule là pour l'image à Capibel. C'est une foule là pour l'image à Capibel. Peut-être que nous avons un arrangement là. Et pour nous brandir Baleine en l'air. Pour vous voir le signal là, allez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ma Kofoto, tell me if you are ready. Ma Ken Samon, tell me if you are ready, bro. Dégame si tout est si tu es assiste. Dégame. Ahora mismo. Vous voulez qu'on est, est-ce que vous êtes prêts pour nous garder qui j'ai la foule. Et tout le monde, mettez-nous prêts. Et Baleine, nous pas lever là. Est-ce que tout le monde est prêt? Qui Baleine qui peut allumer? C'est mon ça on a besoin. Qui est mon qui peut allumer Baleine? Et Baleine nous allume. Si vous sous côté, avancez. Nous allumer Baleine nous là. Un pile Baleine allumé là. Pourquoi pas un pile qui peut allumer? Mais nous presque finis. Nous presque finis. Baleine nous presque finis. Et nous prenons l'humain Baleine. Initiative, ça c'est initiative Go Naïve. Il n'y a pas porté un nom, mais c'est Go Naïve en bas la pluie pour Mika. C'est notre activité à ça. Parce que l'activité a changé. Dynomix, je vous remercie. DJ Maz, qui a fait toute manœuvre technique là. Son vaillant garçon, Go Naïve, lui-même, pour encadrer jeune garçon ça. C'est toujours présent dans toute activité. Et il y a qui dit Baleine a fini, mes amis. Il y a beaucoup de numéro fait ça. Parce que Baleine, il y a des gens qui disent que trop longtemps pas eu à fini. Et Makin Saoun, est-ce qu'il y a des gens qui disent est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt? Ok, tout le monde lui met, Maz, est-ce qu'il est prêt? T'as l'air? On se compte. Ouais. Naz, vu que jeune DJ là, rapide, c'est vous-même qui empêchez Baleine de lever là. Et vu que jeune Marco Photo rapide, parce que vous connaissez Marco Photo pour mon signal là. Maz, fais rapide. Naz, Jerry, caméra, viens avec pour ma photo rapide. Ouais. Merci, Go Naïve, merci infiniment. Et pour compréhension, nous, c'est un public bon enfant, mesdames, messieurs. Un public vraiment sage, merci. Ouais, mon yo envie de lever Baleine, voilà. Mon yo envie de. Oh mon Dieu! Voilà l'image, tant attendu. Nous avons vu faire, Gonaïf Fumika. Jouons musique pour moi, DJ Maz. Jouons musique pour moi, la bonne musique, et puis pour nous lever la main. On descend, tout petit, on va lever ensemble.
descend. Et puis nous allons lever, nous allons compter jusqu'à 4 et puis nous allons lever. C'est 1, 2, 3 et 4. Go live for Mika. We'll be right back.
à assistance. Sa carrière commence vers la fin des années 1999 en remportant le premier prix d'un concours de chant organisé par la Télémax à l'occasion de la Noël. Il devient le chanteur principal du groupe Compa Crazy Music en 2005. En mai 2019, il sort son quatrième album solo en collaboration avec des vedettes comme Eddie Redman et Kevin Little. Au mois de juin de cette même année, il a collaboré avec plusieurs artistes haïtiens et étrangers tels que Princess Eude, Kevin, Bello, Richard Cavé et Jipper. Le festival Nuit d'Afrique et le festival Reggae sont deux événements qui ont vraiment marqué la vie de cet artiste. En plus de son penchant pour la musique haïtienne, car cette dernière fait partie de ses racines comme musicien d'Atlantique. Il joue plusieurs instruments comme piano, guitare, basse et même batterie. Il meurt à Paris le 15 octobre 2022. À l'occasion du grand concert des retrouvailles à côté de Carlo, Richard et Michael pour célébrer les 20 ans après 6 ans de séparation des membres de Karimi à l'Accor Arena. Il a été victime d'un arrêt cardiaque sur scène en plein concert et décédé malgré le massage cardiaque pratiqué par les secours. Chers amis, chère assistance, nous sommes ici au Gonaïves pour rendre un dernier hommage à ce vaillant homme, à cette légende de la musique haïtienne qui a quitté ses œuvres pour nous consoler, pour rendre les mots de Benoît Marchand, quelqu'un meurt et c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais et si c'était un départ pour un nouveau voyage? Quelqu'un meurt, mais et si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages? Et c'est comme un arbre qui tombe, mais c'est une graine germant dans une terre nouvelle. Quelqu'un meurt. Et c'est comme un silence qui hurle. Mais il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie. Quelqu'un meurt. Et nous voici aujourd'hui. Nous voici, nous, les membres, les Gonaïviens, les Gonaïviennes. C'est un moment de réflexion. C'est un moment solennel qui nous appelle tous à réfléchir sur notre existence. Cette légende de la musique haïtienne nous a laissé. Et vous, que ferez-vous de votre existence? Merci. Bonsoir. Nous sommes très contents. Après-midi, pour nous capables de s'y rendre, et penser que c'est un moment historique pour la ville de Gonaïves, la cité de l'indépendance, pour que nous organisions une telle activité en mémoire de
Michael Benjamin, qui vient de Sinon Jouet, Mika Ben. Donc je me rappelle, première expérience, moi, et le mois de Mika Ben, je crois que c'était en 2014, il est venu ici pour une activité avec Digicel. À l'époque, moi-même, j'étais dans le marketing pour question réseau, compagnie ici, et nous étions responsables en tant qu'ambassadeur. Donc, j'ai gagné le groupe Karimi qui est venu faire promotion pour Yon Bal. Et pour ça, tout, nous avons animé couleur locale à la radio Intrépide. Donc, première fois, je me croise avec l'identité d'un personnage très, très dynamique et quelqu'un qui nous facilite de parler à tous. Mais moi-même, je me rappelle le premier moment. Comme si nous avons un groupe Karimi en venir, premier réflexe, moi. Ok, premier réflexe, moi. Moi, monsieur, auteur, monsieur, il m'a regardé Babine, monsieur. Moi-même, dans la tête, moi, je me dis, monsieur, pas humain. Ok? Comme si nous avons un baronnet. Naturellement, nous sommes son nec, on aura qui manifeste un bagage qui est différent de nous. Et effectivement, vrai, nous faisons parler avec l'ordinateur qui est là, monsieur Karimi, et où est son nec qui dérange mes mounes. Et c'est un homme qui t'a souri pendant tout moment d'interview là. Et Mika Ben, nous capable de dire expérience en tant qu'animateur, puisque nous avons fait couleur locale. C'est un artiste qui a un répertoire, qui a une musique Haïti, côté que vous êtes capable de mettre, programmer et dans n'importe quel moment. Et c'est un rare artiste où vous avez quitté la playlist musique qui a joué si vous attendez le normal. Et moi-même, personnellement, pas sur Facebook lorsque monsieur est tombé, même j'ai l'impression tout l'envoi monsieur t'a pas choqué parce que monsieur mourit même j'ai un papa. Si quelqu'un monde qui là il a entendu parler de Enoch Jérôme qui c'est un musicien volcan qui est mort dans pendant volcan pour aller jouer, je crois que c'est au Cap, même j'ai un Mikabel, je vais jouer avec volcan et puis machine a fait accident, c'est seul que monde qui mourit c'était papa. Et donc, j'ai l'impression que l'univers n'a pas voulu que moi, monsieur qui mourit. C'est dans demain matin, moi, pour cela, tout le monde a dit Mika Ben tombé, Mika Ben. Et ça a bien fait mal, parce que son artiste qui était vraiment aimé Haïti. Et non seulement Haïti, monsieur était aimé monde. C'est-à-dire qu'on est capable de voir ça au niveau de sa famille, on est capable de voir ça, maman, papa, frère, soeur, et même au niveau de l'artiste surtout. C'est un artiste qui est polyvalent, qui a un pile talent, qui chante dans n'importe dimension, parce que Mika Ben, non seulement il a chanté combat, il a chanté R&B, il a chanté. Et actuellement, je regarde la dernière musique Mika Ben fait, c'était avec un. C'est pas en Dominique, non, mais son musique est en espagnol, avec un étranger. Donc, monsieur, il a un polyvalent. Et on n'a pas remarqué ça, tout. C'est un artiste qui mourit, mais qui joue un éclat international. Moi-même, suivant Bill Media à l'échelle internationale, je vois que Bill Media a parlé de l'Amosa. Donc, je pense que Mika Ben élevé nous dans une dimension, côté que toute activité qui fait dans NOL vraiment mérité en pile appréciation. Et moi-même, je me sens vraiment gêné que Gonaïve n'a pas fait en rien dans NOL Mika Ben. Lorsque M. Damien prend l'initiative pour faire une activité au nom de Mika Ben, je dis que normalement, il faut être présent. Et il faut que nous baillons le programme ça à toutes dimensions et surtout la cité de l'indépendance. Et je connais, si quelqu'un qui voit cette fête là, il faut comprendre que Mika Ben allait avec une grande dimension. On est qui ne sentit pas trop bien. Par contre, si vous avez une vidéo, je ne sais pas trop bien. Et puis, je ne sais pas si c'est bon, il va chanter. Je passe bravo le nom et puis ça va avancer. On sait où est son héros. Et là, c'est pas du tout. Et moi, je trouve que c'est très symbolique. Monsieur mourit en France. Les papiers relationnés avec la France. C'est-à-dire que son nez qui passe avec une grande dimension. Et si on regarde les vidéos, après, on va voir un bagage. Après, le monsieur pralé, mon lumière qui baille dans le dos. Par contre, il voit ça. Mon lumière qui fait. C'est-à-dire qu'on voit son personnage. J'aime te dire pour me commencer. Première fois, moi, monsieur, me dit que monsieur n'est pas un humain. C'est-à-dire, pas bien, non, monsieur, c'est Michael. Michael signifie qui est comme Dieu. Un monde qui est bien comme Dieu. Donc, c'est-à-dire que, mesdames, messieurs, donc, moi, c'est que son bel hommage,
Et monsieur allé, monsieur levé, société à nos dimensions. Dimension qui ça? Dimension pour nous apprendre à aimer. Dimension pour nous apprendre à partager. Parce que l'on regarde l'histoire, monsieur. On est qui levé nos familles aisées. Première musique, monsieur écrit Noël. Quand il a chanté pour tout le monde qui est dans la rue, bah, comme ça. Bon, monsieur, pas comme réalité ça. Monsieur de Canada, il fait première musique Noël. Bah, dire. Donc c'est forcément bon, une réalité. Donc c'est là que vous me plaisez nous. Donc son personnage qui allait, et moi c'est de tout cœur. Et il faut que nous voyons lumière pour que les de dimension ça y est, artistes de dimension ça y est, pour capable toujours inspirer. Inspirer que pour nous capables de pays, pour que l'amour, fraternité et que lumière va régner. Donc j'espère que quand même nous profiter assez de l'espace ça, pour nous voyons assez d'énergie. Ce grand personnage qui était Michael Benjamin. Merci. À toutes et à tous, et bah, c'est que je dis à ça que nous là, c'est peut-être la mort. Et je toujours dit ça, plus bon pour réunion famille, ce soit la mort ou bien mariage. Mais je ne dis à c'est la mort, c'est la mort. C'est ma dénou qui est samedi Mika Ben. Si me dis nous qui est ce qui Mika Ben, nous peut-être nous doit répondre, ils sont gros bout de ton artiste. Eh bien, effectivement. Mika Ben, c'était un gros bout de ton artiste. Mais est-ce que pas l'autre artiste qui mourit déjà? Oui. Est-ce que même bagay ça a reproduit? Non. Pour qui ça? Parce que Mika Ben, c'était un nègre qui croit dans ça l'affaire. Mika Ben, c'était un nègre qui te rend en pile service ensemble avec la communauté. Mika Ben, c'était un nègre qui partenait comme si qui partenait compte avec personne. Si on a compte avec Mika Ben, ça s'est causé gâteau. Mais Mika Ben n'a pas de problème avant. Mika Ben, c'est un nec qui prêt pour le pousser qu'importe jeune dans la musique depuis sa l'affaire positive. Eh bien, journée aujourd'hui, moi prends la parole, c'est dans le nom de mon jeune activiste qui organise la cérémonie hommage pour Mika Ben. Donc, nous avons un message à faire passer. Qui est ce message là? Message là, c'est pas occuper le monde qui a vivre, pas occuper le monde qui a tout, vivre, ça fait le monde qui a faire tout ça dans l'idée. Mais essayer utile communauté pour l'aller, pour présenter sous le cas. Je pense que journée aujourd'hui, c'est parce que l'amour que Mika Ben t'a partagé, l'amour que Mika Ben participe à l'amour que le pas de jambes fatigué si moyen tout côté le passé, c'est peut-être c'est l'amour ça yo y a récolté. Et bien content les mots figu chaque grain gonaïvien m'kawé sous figu non non attristé. Non attristé parce que peut-être c'est dernière fois n'a pas une chance. N'a pas une chance dit Mika Ben adieu. Mais m'connais Mika Ben pas mourir, l'a toujours été vivant dans œuvre. Justin Leite Dil, c'est peut-être un nègre qui t'est non familiarisé, mais après le message qu'il fait passer, après la musique qu'il a chanté en pile fois, c'est des musiques pour tout le monde, c'est des musiques pour changement. Son nègre qui toujours a plein pour payer. Haïti, c'est belle lignée. Haïti, son bon ton breil. Haïti, son bois cochon. Son nègre qui toujours a chanté l'amour pour payer. Et à titre d'exemple, n'a pas que lui mourir, lui aller ensemble avec drapeau sous dos. Journée aujourd'hui, on pense que nous chaque nous avons un devoir. Le devoir que nous gagnons, c'est que dans la communauté que nous avons évolué, essayez utile la communauté. Essayez pas garder ce monde, pas garder ça mon affaire pour dire moi-même, si un tel pas levé pour ça, moi-même c'est pas moi qui a levé. Si un tel pas balé devant porte là, c'est pas moi qui a balé riel là. Si un tel peut-être sac dans la tête lui c'est crasé brisé, moi-même, il faut faire crasé brisé à tout. Non. Je souhaite que nous cultivions valeurs positives qui partagent. Je souhaite que nous cultivions sentiments positifs, peut-être dans la musique, Mika Ben, mais je dis, je profite de dire ça parce que nous tous là, nous tous nous réunis. Si nous faisons des choses, même Jean Mika Ben, tu as fait pour la musique. Même Jean Mika Ben te kon groumen pour artiste, pour droit d'auteur, pour dire que artiste là, faut capable vivre de ça l'affaire.
Et qui ça le veut dire par là? Si le pays lui-même lui plante du riz, c'est peut-être le mieux côté pour la vendre et ça le récolter. Mais les artistes écrit 2, 3, 4 albums, autant de musique là, mais qui sont bas en retour, ou pas payer pour ça, ou consommer produit là gratuitement. Et pas bien, il compte faire ville comme ça, il compte faire ville, l'a créer juste pour le faire plaisir. Mais lui-même, il ne va jamais tirer profit de ça. Donc, Mika Ben a une bataille que tu as menée pour dire faut droit d'auteur, artiste respecté. Qui ça le devait dire par là? Il devait dire faut artiste qui a mangé de sa affaire. Parce que quand il y a qui peut-être mourir pauvre, et c'est parce que peut-être droit d'auteur, Mika Ben a toujours mené de ça, il ne va jamais respecter. Donc, tout le monde a mené de ça, c'est pour dire nous. Si nous gagnons un combat à faire, pas jamais fatigué faire. Peut-être que nous vivons, il n'y a pas jamais une réponse, mais ça peut jouer après. Le fait que vous dites, ah, Mika Ben t'a mené un combat ça. Donc, mesdames, messieurs, l'heure est grave. Nous avons traversé des situations de toutes sortes. Nous avons une instabilité politique, sociale, économique, de tout genre. Mais bon, c'est ce moment pour nous cultiver l'amour. Parce que nous ne savons pas qui est Navrani. Merci un peu.